Ok yo tout le monde, j'espère que vous allez bien ici auteur et aujourd'hui nouvel épisode sur Zelogen of Zelda, donc ce sanctuaire je vous ferai plus tard. Donc je suis bien arrivé là-bas, j'ai fait des tests et j'en déduis que maintenant je vais faire mes vidéos. Je vous explique. Il y a OBS et il y a mon truc à 15€ qui permet de capturer. Donc OBS après capture grâce à cette clé USB, on va dire. Enfin même pas clé USB vu que ça transmet, c'est même pas une clé USB, mais grâce à ce transmetteur j'arrive à démarrer l'enregistrement sur OBS et j'ai la qualité que ça me transmet, sauf que la qualité n'est pas folle. Déjà que le son n'est pas fou, donc j'ai dû changer, là normalement ça va. Et puis maintenant je me suis dit, mais si je filmais comme si j'avais mon PC, enfin comme si je jouais sur un jeu de PC, sauf que là bah j'ai juste à réduire la taille de l'écran, donc à recadrer la vidéo au lieu d'avoir tout l'écran de OBS, et bah du coup faire mes vidéos comme ça. Et je pense c'est ce que je vais faire, donc on va tester cette vidéo. Cette vidéo va être concentrée dessus et regardez la qualité. C'est beaucoup plus agréable pour moi et pour vous, et puis vu que je sens que je vais faire énormément d'épisodes, vu que je vais faire aussi d'autres jeux sur mobile, sur Twitch, franchement c'est vraiment important, sinon bah tant pis hein, si ça marche pas trop, mais voilà, ça serait cool. Donc on va aller tout en haut. Non. Voilà. Celui-là c'est un peu compliqué. Et je pense que ça doit vous faire un peu bizarre de passer sur une qualité un peu médiocre, hein, parce que caché, à une qualité un peu meilleure. Oh, on peut même pas. Moi je voulais du bœuf. La pomme. Du coup, si je fais Alt F5, ah non. F1, la capture d'écran a été sauvegardée dans la galerie. Donc là vous allez voir un petit truc parce que vu que je filme l'écran, mais... ok, donc c'est sûr, c'est assuré. Je peux en plus faire mes miniatures tranquillement, même si quand même c'est un peu chiant. Si je suis en vidéo et je fais la mignon, ça gâche un peu. Mais bon. Donc, bonsoir, bienvenue au laboratoire antique des limites. Tu peux voir le chef du laboratoire. Oui, le chef se trouve au fond. Il est très occupé. Alors, je te ferai un... Oh, le cinétis, oh, le polaris, oh oui, les bombes à distance et le cryonis. L'appareil photo peut-être. Toi, comment tu sais? Dame Impa m'a parlé de toi. Ah!
Donc, ok. Attends. Il y a une telle soumission. Ok. Peut-être. Ok, donc on va parler au vrai chef. Chef du laboratoire antique des médias. Oui, Titi. Alors, Link, c'était comment? Le sommeil de la Renaissance. T'as fait de jolis rêves. En tout cas. Attendez, un sommeil de la Renaissance, le sujet est venu amnésique. Sans vouloir s'y noter. Oh là là, elle note tout. T'es une gamine. Oh. J'aurais pas dû se dire ça. C'est vrai qu'elle est toute petite. Revenons plutôt à nos moutons. Que je voulais entendre. Pourquoi tu gardes ça? Tu me regardes comme ça. Il y a un problème. Ok. Donc, je vais devoir amener la flamme bleue. Donc, on va prendre la torche. Et tout là-bas, comme vous pouvez le voir là-bas, il y a un truc bleu et je vais devoir faire tout le tour et monter en haut et allumer la flamme pour pouvoir que j'allais dire l'horloge mais le laboratoire puisse remarcher de nouveau. Donc non. Mais non, abusé. Ah, c'est parce que peut-être je cours. Mais... ah, c'est le vent. Mais non, mais c'est abusé. Mais... voilà, quoi ce que j'ai... ouais, c'est bon, je vais aller quelque part, je sais pas où. Je vais aller dormir. Et je vais me réveiller et on va faire le truc parce que là c'est un peu chiant quoi. Oh non. Bon bah je connais un endroit pour pouvoir dormir. Donc vous allez vers là. Et ici, il y a le feu de camp qui est allumé. Midi. J'espère qu'il pleut pas. Ça serait con. Ah, bonne nouvelle. Bon, ça m'énerve un peu le cœur là. On va prendre au moins ça. Oh. Ah, des grenouilles de des grenouilles tempo. On va oh non, le vent.
Ok, donc prochainement, de ce que je vois, il y a la pluie. Donc on va vite faire tout ça. C'est que ouais, y a, le chemin est déjà fait quoi. On a juste à faire ça et on suit le chemin. Les gens ferment. Ok. La musique me fait un peu penser à Mario. Plutôt Mario Kart. Ouais, ça me fait un peu penser à Mario Kart. On va passer par là. On va passer par l'autre côté finalement. Ça sert à quoi les lanternes? C'est que en fait, si vous perdez, il pleut, voilà, vous pouvez reprendre par ici et du coup, pour pas se taper le chemin encore une fois. Donc, c'est pratique. Bon, moi là, sinon, j'ai plus besoin. J'aime. Tac. Voilà. Laboratoire anti-délimite. Ok. On va juste fouiller en haut et puis après moi je pense qu'on va s'arrêter là comme ça on fait deux vidéos pour ça. Pour faire durer un peu le suspense et avoir plus de vidéos, hein. C'est un peu une triche. Une petite technique pour faire plus de vidéos sur ce magnifique jeu. Voilà. Alors ici il y a quoi? Ok. Sympa. Non, il y a un sanctuaire là-bas. Le sanctuaire, je crois qu'il était chiant à prendre, mais bon. Donc c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche, c'était Auteur. N'oubliez pas que je vous kiffe. Allez, ciao ciao.